Un truc, c'est que ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça c'est l'essentiel. Il est venu au bois de l'eau. Ah ouais, ça c'est cool. Avec les filles. Ah ben la dame a donné. Oui. Ah, ça c'est sympa. Ah, bon, et ça c'est le fleur de la voiture. Regardez ça, c'est pas beau cet accueil. Ah, formidable. On a la poussière, on n'a pas eu trop. Bravo Quito. Hey. Bravo. On est fiers de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut juste faire une photo avec les miens? On va faire une photo. Bah, jeune homme, qui l'a fabriqué? Avec lui. Non? Une petite photo comme ça. Ça. Vous avez filé ça là? C'est cool? Ouais. Alors la prochaine route d'Europe dans 8 ans? 4 ans? 4 ans tu vas faire la route d'Europe? 4 ans tu l'as fait? Non, ce sera peut-être. Ça va? Oui, mon bateau Écoute, tu vois, ça se mérite ça. Hein. Ça se mérite vraiment quoi. Ah ouais. C'est trop bon. C'est trop bon quand ça s'arrête en fait. Ah, c'était une transat difficile quoi. Difficile du début jusqu'à la fin. On n'a pas eu de répit quoi en fait. Il y a du vent tout le temps, on a toujours au moins 20 nœuds en permanence. Et on a tiré un peu sur la couenne des bateaux et des bonhommes. C'est un peu la conclusion de ce truc là, c'est que ouais, ça a été dur tout le temps quoi. Et puis il y a plein de difficultés. Alors, moi c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, mais là j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup tout le temps. Et puis là, le tour de la Guadeloupe c'est quand même un petit cadeau quand même. Hein. Là, j'avoue que là on s'est bien donné avec Axel là, c'était sympa quoi. C'était sympa. Écoute, moi j'ai pris un DCP là cette nuit quoi. Qu'est-ce qui est arrivé quoi? Ah j'ai une entorse. Ah merde. Bon bravo, bien joué quoi. Bah, pareil. Ouais. Hein. Sacré match. Ouais, et puis et là, j'ai arrêté 1h30 sur le casier, alors là j'ai. Catastrophe. Je me suis arrêté un peu dans le nord aussi à la pointe de la Vigie là, mais moins longtemps. Ouais. Sur un casier? Un filet, un casier, ah, un truc. Ah c'est ça, tu comprends, ouais. J'ai vu que tu t'es arrêté aussi. Ouais. Mais bon. C'est plus facile à doubler. Ouais. Avec tous ces nouveaux bateaux. Bah, c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé un peu secrètement, c'était de rentrer dans les 10. Ça paraissait très ambitieux, hein, vu l'armada d'Esco, si tu veux, qui était au départ. Et puis je sais aussi que sur une transat en solitaire, il y,
Il y a des tandems qui sont pas forcément aussi bien préparés, j'ai un peu l'habitude de ça. Maintenant, voilà, on voit qu'on joue pas dans la même catégorie, quoi, clairement, quoi, avec les bateaux. Surtout, je pense qu'il y a vraiment des conditions qui étaient très favorables à ces nouveaux bateaux, quoi, du vent fort et du près. Alors, il n'y a pas eu du vent très très fort. Par contre, il y a eu de la mer, quoi. Beaucoup de mer, la mer croisée qui a, voilà, qui a usé beaucoup les bateaux et puis la tête des skippers, quand même, parce que faut tenir le coup, c'était pas agréable, quoi. Et la première semaine là, et à chaque fois tous les routages nous faisaient aller affronter le front supplémentaire, voilà, toujours un peu plus d'ouest. Alors, j'avoue que moi, j'ai, dès qu'il y a eu une petite tangente et une petite ouverture au sud, j'ai pris cette tangente, quoi. Voilà. J'avais, comme tout le monde, j'ai eu pas mal de soucis. Pas mal de soucis de gréement là dans le plus fort des fronts là. Et Bastac, le J2, voilà, on a eu pas mal de soucis là, on a perdu beaucoup de temps. Donc la tendance a été de dire à un moment il faut prendre un peu de suite, quoi, faut que ça s'arrête, faut faire du portant un peu avec ces bateaux, quoi. Le prêt c'est moyen, faut faire du portant. Ouais, alors je régresse, quoi, à chaque fois. Bon, il y en a quand même, quand on finit 11e, ça veut dire qu'il y en a quand même une petite quarantaine derrière, quoi, c'est ça? Un peu plus même. 40, ouais, c'est ça. 44 derrière, c'est pas mal, quoi. Donc j'avais fait un podium en 2014, il n'y en avait que 40 derrière, quoi. Donc quelque part, je progresse aussi. Voilà, bah, j'ai fait 3e, 5e, là 11e. Et il va falloir peut-être changer de. Peut-être le bonhomme, peut-être le bateau, peut-être les deux, quoi. Je sais pas, franchement j'ai trouvé dur. J'ai trouvé dur et tout le temps. Moi, tu vois, j'ai passé, je crois qu'il y a eu deux journées où j'avais pas tiré, quoi, sur le bateau. Deux journées. Et le reste du temps, on était trempé, quoi. Trempé, c'est soit les grains, soit les. On enfournait dans les vagues. Donc de toute façon, il y a de l'eau partout, quoi, dans le bateau. Alors c'est vrai qu'on fait du bateau, donc c'est normal qu'on ait un peu d'eau sur le bateau, mais là c'est pas l'habitude que j'ai des transats voilà, dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça dur, ouais. Alors je dirai demain, on en parlera demain. Pour terminer, ça met la fin à une saison où tu as fait plus de 7000 milles. Ouais, non, c'était bien, enfin je ne suis pas forcé à les faire, hein, je me suis régalé, on a fait beaucoup de choses assez intéressantes avec des personnages assez différents d'ailleurs, des lieux très différents. Notamment en Méditerranée, on a fait pas mal de choses. Alors je félicite Ambrogio parce que je trouve qu'il a fait une course formidable avec un nouveau bateau, il n'avait pas testé, il n'a pas fait de course avec. Voilà, c'est un nouveau plan, un nouveau chantier. Et ce qu'il a fait avec ce nouveau bateau, je trouve que c'est fort. Parce qu'il avait, je pense qu'il n'avait aucun repère, tu veux, par rapport à la concurrence, contrairement à tous les autres. Il a mené la cadence et moi je suis très très fier, voilà, de ce jeune Italien qui promet, quoi. Bravo encore. Et bravo évidemment à Johan. Richaume, ça rime avec Rome, quoi, apparemment. Donc, ouais, il a été impérial, quoi. Vraiment bravo. Et puis bravo à tous ceux qui me précèdent. Et puis tous ceux qui sont derrière parce que ça a été difficile pour tout le monde, de toute façon. Et plus on passe du temps en mer, plus c'est difficile. Merci encore. Bravo, Kito. Bravo. Merci à tous pour votre accueil.